fort. Terminer, même si la saison n'est pas finie, en tout cas dans l'objectif du club, la grosse victoire, le public, vos deux buts, très, très belle soirée quoi. Oui, ce soir c'est une très très belle soirée avec un beau résultat. On a bien commencé, on a fait 25 bonnes premières minutes. J'ai la chance de mettre un doublé. Après ça, c'est secondaire. Le tout, c'est que l'équipe se sauve. C'est sûr que j'ai beaucoup de fierté de marquer deux buts ce soir devant mon public, mais pour le maintien. Mais le tout, c'est que le club reste en Ligue 2, que ce soit avec des buts de ma part ou d'autres personnes. Avec le recul, le fait d'avoir perdu la semaine dernière contre Guingamp, ça a été un mal pour un bien. Ça a permis de remobiliser tout le monde. Oui, un mal pour un bien. Peut-être, mais bon, si ça se passe pas comme ça ce soir, on ne dit pas que c'est un mal pour un bien, parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué la fin de saison. On a su réagir à Niort, on réagit encore ce soir. Il y a beaucoup de fierté ce soir dans le vestiaire et c'est très bien comme ça. Justement, Doumé, quel était le discours du coach juste avant le match? On n'a même pas parlé du classement ni rien. On savait qu'en gagnant, c'était terminé, qu'on était sauvés. On a surtout abordé l'équipe, le sujet de l'équipe du Paris FC. Ce soir, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Après, on a de la réussite parce qu'on marque sur deux coups de pied arrêtés. Mais on a fait le match qu'il fallait. On a su faire le dos rond les 45 de dernières minutes. Il y a beaucoup de fierté, je le répète. Vous parlez de réussite, mais physiquement, troisième match en une semaine, vous avez tenu le choc beaucoup plus que d'habitude. C'était quoi? C'était l'état d'esprit? Je ne sais pas. Je pense qu'on savait qu'en prenant un point à Niort et en gagnant ce soir, c'était fini. Après, on savait aussi qu'on gagnait contre Guingamp, mais je pense que ce soir, on a mis beaucoup plus d'ingrédients de notre côté pour ramener les trois points. Ces derniers temps, vous avez dit qu'il manquait un petit truc. Aujourd'hui, on a senti une équipe bastiaise plus que revancharde. Oui, le petit truc, c'était la solidité défensive. Ce soir, on prend un but. Contre Guingamp, on en prend deux. Après, ça faisait un bon bout de temps qu'on ne prenait pas de but avant Guingamp, mais ce soir, on a su être costaud, même en encaissant un but. Les 45 dernières minutes ont été très compliquées. On a su faire le dos rond. C'est très, très positif. On l'a tous constaté. Ce soir, il y avait une très, très grosse ambiance. C'est aussi ça qui vous a porté sur la fin de match. Un fouillane et un incandescent sur la fin de match. La dernière fois que je suis venu là, c'était après Grenoble, il me semble. Et le public avait grondé. Et ce soir, je pense qu'ils savent qu'on a fait le travail qu'il fallait faire. On les a remerciés à notre façon, et on est très content qu'ils soient là avec nous.